Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Les Aventures de Jésus. C'est rubrique qui un petit coup de la caille pour aujourd'hui. Chaque samedi, comme on connaît, 6h p.m., c'est rubrique qui un petit coup de la caille avec Les Aventures de Jésus, moi-même, Ghislaine Joseph. Alors, je tiens à nous parler d'un concept important qui est le non-killing et qui traduit en français non-meurtre, patouiller. En créole, en français non meurtre, en créole patouiller. Alors nous parlons ici ouais avec invité non qui ça non killing naie, qui est-ce qui t'a créé concept ça, qui est-ce qui t'a premier venu avec, et puis qui j'en ai qu'à utiliser pour combattre phénomène violence et meurtre qui a ravagé pays d'Haïti, particulièrement Port-au-Prince. Et pour nous parler de concept ça, de théorie ça si vous voulez, nous gars avec notre docteur Roland Joseph. Docteur Joseph a une licence en sciences politiques, il a une maîtrise tout dans le domaine conflit avec la paix dans l'Université Massachusetts et il a décroché un doctorat dans la question conflit global. Alors, Docteur Joseph, bonsoir. Moi, content de vous avoir aujourd'hui dans l'émission Les Aventures de Jésus, particulièrement rubrique Yon Tikou Djelakay. Comment est-ce? C'est un plaisir pour moi de participer avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Les Aventures de Jésus. Rubrique, si vous voulez, un petit coup de jeu la caille. Et vraiment, et rubrique ça parce que les noms de l'heure, comme ça, faut qu'on fasse un petit coup de jeu la caille, comme ça, qu'on passe la caille. Et faut nous bailler et idées par nous tous parce que on est haïtiens, notre bateau dans le monde. Nous en France, nous aux États-Unis, nous en Paris, nous en Afrique, nous en Amérique latine, Caraïbes. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, les noms de l'heure, pour nous faire des émissions comme ça. Pour nous brasser l'idée, en fait, sur ce qui a passé dans le pays. Non. Voilà, moi là, avec vous, nous répondre à question sur théorie ou bien paradigme non-killing. Non. Et qui ça lié, et puis qu'est-ce qui vient avec lui, et puis dans qui mesure nous sommes capables d'utiliser, je dirais, concept ça dans le contexte politique actuel du pays d'Haïti. Surtout, normalement, ça a fait face avec une crise socio-politique dans le pays, particulièrement dans Port-au-Prince, avec recrudescence de violences dans la capitale. Voilà. Bien, merci. Alors, avant même, Dr. Roland, nous entrer dans le vif sujet, ça, d'après parler de ça avec vous, dernier temps, ça, sur les réseaux sociaux, nous avons une grosse discussion sur entre monde qui pas vivre dans le pays, avec monde qui vivent en Haïti, comment situation a traversé, yo. En tant qu'Haïtien, on va vivre aux États-Unis 7, mais où est-ce que ça a passé, yo, ou tendez, yo, qui est pression? Comment comprendre ça a passé en Haïti à un moment, ça, avant nous entrer même dans le vif sujet, qui c'est non-killing? Qui est pression de réalité? En fait, le ou d'ailleurs pays où et puis on a gardé une série de violence mon amoungri mon on s'est capital bloqué moi en particulier moi on sorti Jacques Mel et ben regardez ouais entre Jacques Mel entre grand sud là bloqué ça va bien bien pas Jacques Mel seulement. Et même dans Grand Nord, tout les zones sont bloquées. Et c'est des gangs armés qui prennent les zones yo, et puis ils empêchent les gens de vaquer avec l'occupation. Ils ont kidnappé, ils ont tué, et en plus, femmes, malheureusement, victimes de ça. Ils ne sont pas à l'école, comprendre, ils ne sont pas à le travail, mais tandis que nous tous connaissons, leur grand pays comme ça, un bel pays dans Haïti, donc. Qui viennent au niveau conscience. Donc, c'est, capable de dire, c'est irresponsabilité, je dirais, de nos dirigeants, qui n'aiment pas content. Et bien des gens en Haïti qui pensent que le fait qu'on est en diaspora, et ça qui passe à Haïti, le fait qu'on ait accès à un CD et besoins sociaux de base et à l'extérieur, donc aux États-Unis, en France, Canada, ça va bouleverser. Ça bouleverse, moi, même j'en bouleverse. Peut-être qu'on n'a pas vite. De violence physique là, ou bien de violence directe là, vous comprenez? Mais quand même, psychologiquement, on pas en forme. Vous comprenez? Psychologiquement, on pas en forme. Et chez chaque femme couchée, ma pensée avec Haïti, ma pensée avec Jacmel, ma pensée avec Port-au-Prince, ma pensée avec Timoun qui était à l'école, qui n'a pas à l'école des jeunes qui étaient dans les sciences humaines, qui n'a pas à aller dans la faculté de médecine, qui n'a pas à aller. Donc c'est ça, ça n'a pas pour t'aimer bien en tant que monde et en tant que haïtien, tout. Vous comprenez? Donc, c'est une situation qui vraiment est difficile
Et c'est pas un Donc, bagage qui vient, je veux dire. c'est que peu importe côté, j'en suis dit que bon niveau peut-être violence physique, là, qu'on pas vivre ou pas sous place, mais que n'importe côté, c'est haïtien, ça a patience, c'est sûr qu'elle a traversé. Ou Alors, sent-il des aversions et puis tout, ou qu'a constaté ça à travers par Facebook, moi, publié un peu de bagaille, oui, très mais présent, oui. toujours un peu de poste, un peu de poste pour attirer l'attention mon yo, pour me position pas moins sur comment le problème n'a aucun adressé, qui ça nous capable de faire sensibiliser la population. Donc, ou sent tout concerné et pour Effectivement, donc moi, son façon de me dire que peu importe voilà. côté, ça peut passer dans les traversos, parce que moi-même, personnellement, j'ai eu une époque que j'ai décidé de connecter des réseaux sociaux pour me pas ouais, ça peut passer parce que je n'ai pas de vivre. À chaque fois, moi-même, j'ai crié à un certain moment et m'imaginer tout, peu importe côté, il fait ça, surtout de l'autre monde. Bref, bon, docteur Roland, nous parlons d'entrer dans le vif sujet. On travaille sur un thème qui est non-killing. En pile monde, depuis l'heure, moi, mettez avis, conférence, avis, émission, ça dehors, a dit qui ça qui non-killing, n'a pas aimé qu'on est. Alors, docteur Roland, qui Docteur Joseph Roland, j'en dis là, tout c'est pour vous. Alors, qui oui, tout c'est pour vous. Qui ça qui non-killing, non, depuis qu'il est concept ça existait, ou du moins depuis qu'il a commencé à utiliser, qui est-ce qui vient ensemble avec lui, qui ça non-killing, non, charrier en résumé, comme concept, comme thème. En fait, concept non-killing, c'est un politologue américain qui est Glenn DeePage. Et c'est lui-même qui créé concept ça. Dans le commencement du 21e siècle, c'est-à-dire 2001 et 2002, dans le cadre d'un livre que lui écrit en anglais qui titrait Non-Killing Global Political Science. C'est ça le titre. Mais le livre, ça, t'as traduit par la suite en français, qui c'est Non-Meurtre, Non-Violence vers une science politique nouvelle. En fait, ça qui t'a poussé, monsieur, écrit le livre ça, parce que Non-Killing, j'en ai dit dans l'introduction, il traduit en français Non-Meurtre. Mais moi-même, j'ai insisté, même si je ne parle pas l'écran, je dis Non-Killing, juste pour capable attirer l'attention mon yo, pour demander qui ça lié. Et monsieur écrit le livre ça, parce que monsieur, c'est son politologue, il étudie sciences politiques. Et en même temps, c'était un soldat américain qui était participé dans la guerre. C'est qu'on a dans la guerre, et c'est-à-dire que c'est qu'on a observé justement monde captouillé, ou bien même il est tué tout lui-même. Donc, et puis, dans la guerre de Corée, en 1950-1952, M. Balfon Baray, et M. dit qu'on a que l'issenti Gon Baray, qui par contre, courant entrer dans la tête, lui, entrer dans la tête des hôtels, il est dans la tête, lui, qui dit qu'on a que, en anglais, et no more killing. Et plus de meurtre. Et le monsieur dit que il n'a pas tué encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Monsieur Pral commençait et mettait ça sous forme de concept, sous forme de théorie. Pour dire que monsieur Pral pose une question en anglais encore. Is a non-killing global society possible? Comme monsieur son politologue, il dans le domaine et sciences politiques. Je me suis posé la question dans l'autre façon, il dit, Is a non-killing global political science possible? Il voulait dire qui ça? Il voulait dire que, est-ce qu'une société, est-ce qu'une science politique patrouillée ou bien non-meurtre, de non-meurtre sans violence, est-ce qu'elle est possible? Question ça a venu parce que la science politique traditionnelle, que ce soit avec Max Weber, que ce soit avec Thomas Hobbes, que ce soit avec, si vous voulez, des théoriciens comme Machiavel, eh bien, monsieur Sayo, il fait l'apologie de la violence, l'apologie du meurtre dans le domaine de la politique, dans le domaine de la science politique. Donc, monsieur, en tant que politologue, il peut essayer et, si vous voulez, remettre en question la science politique traditionnel comme surtout qui reposait sur la violence, sur le meurtre, parce que Machiavel de ça, et donc la force, ou besoin de la force pour prendre pouvoir, pour qu'il y ait pouvoir. Et M. Val dit que, et après 28 ans que Page fait la faire recherche pour répondre à la question simple, ça, une question qui est très simple, mais comme moi toujours dit, la simplicité de cette question montre en quelque sorte la complexité du monde dans lequel nous vivons. Et M. Pell montrait que
Après 28 ans de recherche, il parle répondre à l'affirmative. Yes, un monde sans tuer, un monde sans meurtre, l'est possible. Et M. Balvin a un paquet d'arguments, M. Balvin a un peu d'arguments pour le supporter, ça le dire. Et M. Balvin croit que pour vivre en société de non-killing, il faut que les gens qui sont dans le domaine sciences sociales, sciences humaines, prennent le concept ça en considération. C'est-à-dire, dans le domaine il y a fait recherche, il faut qu'ils fassent connexion avec le non-killing. Donc, il faut nous commencer par étudier. Ça fait parmi nous avec non-killing peace. Parce que non-killing, ce n'est pas seulement l'absence de la violence, mais l'absence de tuer dans le sens de Galton. De la paix, de la paix négative. Non. Mais le non-killing, c'est aussi non-killing affirmative, qui veut dire que c'est à reconsidérer le concept qui est le structural violence, hein, violence structurelle. Là, vous comprenez ça? Donc, c'est tout un système pour arriver en dedans, pour arriver accomplir une société global de non-killing. C'est tout un système. Et monsieur même parle autour de non-killing institution, non-killing police, non-killing army. Il parlait de toute une série de travail pour qu'il fasse dans la société pour nous capables de vivre Exactement, avec c'est cela. dit. Exactement, docteur Joseph, c'est discuter, n'a discuté, mais t'as une question ça pour, parce que l'un qu'on est processus qui menait avec Mathieu, toujours grand raison, toujours grand cause là-dedans, même dans la question de la guerre, toujours grand raison, intérêt pour grand pays ou déclencher la guerre contre des petits pays. Mais qui ça lui dit en termes de processus? Il dit non meurtre, là d'accord, c'est pas tuer, non meurtre, mais qui ça lui dit comme processus pour nous arriver, en fait, déjà processus pour nous stopper non meurtre, là? Par contre, tu comprends une question posée là. Processus qui menait avec meurtre, là, qui ça lui dit de ça, en fait, pour nous stopper déjà, en fait, processus qui menait avec meurtre, là? Parce que souvent, ils ont inventé des histoires, par exemple, au pays qui inventait une histoire pour l'attaquer à l'autre pays. Donc, qui ça lui dit pour nous stopper ça? Et avant même nous arriver avec question meute là. Est-ce qu'il y a Oui. la base racine, en fait, et ça qui pourrait le Là. conduire avec meute là? Meurtre, violence, tuer, ça c'est apprendre à faire. C'est des théoriciens qu'il faut connaître, qu'il faut tuer, qu'il faut faire, même si ils ensemble, peut-être. Mais c'est apprendre à apprendre. Et il y a des armes nucléaires, on produit des gros armes pour détruire l'autre monde. Ça, c'est des bagailles que nous faisons parce que pour nous protéger, parce qu'il y a une sorte de peur. Et monsieur montre que société, ça, ou bien société de non-killing, mais société de non-meurtre, là, nous sommes capables d'arriver dans une société comme ça si nous commençons par l'éducation. Éducation est au centre de travail, ou bien de paradigme que Page a prôné dans Centre-Léa, ou bien à travers le livre qu'il est écrit. Donc, monsieur, il a un paquet de jambes justification, si vous voulez, un paquet, comme d'ailleurs, bizarre, il justifie, si vous voulez, comment une société globale de non-killing possible. Premièrement, majorité de monde qui vivent sur la terre, ne pas tuer. Ou pas tuer monde, bah oui, non, ou tuer monde. Ou tuer monde déjà? Non. Beaucoup tuer monde. Majorité de monde pas tuer. Exactement. Peut-être Mais non, 100%, c'est 0,5% de monde qui est tué dans le monde. Et même monde qui a préparé pour le tuer, après ça, il y a un problème psychologique. C'est que monde n'a pas voulu tuer vraiment. Même pour le presse, dans violence, sur 12 millions d'habitants que nous avons, 12 millions, mais 11 millions, pas sur les chiffres exactement. La quantité de monde qui a gagné, sont 10 millions de tués capturés. Dans Port-au-Prince. Sont 10 millions de tués. Et pas un gros groupe qui choisit de tuer le monde. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours monde ça. Haïti, c'est un pays pacifique. Haïti, c'est une société de non-killing. On imagine, on prend la police nationale noire, par exemple. Quand il y a, pas sur les chiffres là, on a 10 000 ou bien 8 000, pas sur les chiffres là exactement. Pour 12 Moun ki millions pa gade d'habitants. emisyon ap mette chiflan pou nou, m pa sonje, m pa gen chiflan tout de. Voilà, en fait, l'organe une société comme ça, même dans une zone côté de l'œil, on ne va pas un police. Non. Si je ne descends pas dans le centre-ville de Jacques, je ne vais pas un policier. Non. Et dans cette ville-là, je ne vais pas un policier. Tandis qu'aux États-Unis, ou bien
dans l'État de l'Abitia, chaque côté passe la police. C'est-à-dire que Haïti, nous avons la capacité de vivre ensemble. Son société pacifique, extrêmement pacifique. Vous comprenez? Donc, et j'aime tout là, c'est un petit groupe gang. En 2004, il y a 34 groupes gang. En 2021, il a passé à 162 groupes comme ça. Et en 2023-2024, je n'ai pas vraiment une bonne idée de chiffres là. Mais il a augmenté. Mais peut-être nous avons 3, 4, 5 000 personnes qui ont gang qui a opéré dans tout le pays, dans 12 millions de personnes. Donc, nous avons besoin d'éduquer, par exemple, société noire plus, pour nous capables d'avoir une société qui est une société pacifique, une société justement, côté personne ne peut miser sur question touillée pour résoudre le conflit, ou bien plus ou moins, nous sommes capables de dire ça qu'ils ont besoin. Donc, pour arriver à une société de non-killing, premier bar là, c'est l'éducation au non-killing. Ou pas capable de société de non-killing sans un projet scientifique global de non-killing. Vous avez besoin de ça. Donc, qui englobait pas seulement l'absence de tuer dans le sens de paix négative, mais aussi englobait la paix positive dans le sens de l'absence de violences structurelles, Là. d'inégalités sociales, d'injustices sociales. Tout ça, les non-clinins, les englober ça tout. Parce qu'il faut éduquer les gens, les moins gislaines, moins tête, moins. Les gislaines, ouais, les moins tête partout. Ça fait, moi, ces derniers temps, moi, vraiment apprenais pour nous enseigner l'éducation à la paix en Haïti, dans l'école. Vous comprenez? Pour faire si moun yo, enseigner l'amour, ou yon remen l'autre. Enseigner yo, pour remen Haïti. Vous comprenez? Faut que ta ou ajouter dans le curriculum l'école yo, aspect ça. Vous comprenez? Peace, en anglais, on dit peace education, mais éducation à la paix. Faut ta ajouter ça, enseigner le civisme, enseigner l'amour pour pays. Vous comprenez ça, nous là? Lorsqu'on travaille dans l'État, pour parler d'un volet, lorsqu'on vole l'État, c'était pas au volet. Lorsqu'on vole l'argent l'État, c'est des petits mondes qui sont dans la rue, au Rwanda, c'est des petits mondes qui défavorisent au volet. Au Rwanda, c'est tout le monde, d'ailleurs, pas un petit monde défavorisé, c'est tout le monde au volet dans la société. Donc, nous avons besoin d'arriver dans un niveau comme ça pour nous capables d'éduquer les gens, pour nous changer le Pour système ça, éducatif. une question d'abord, c'était qui gens nous capables d'appliquer un concept comme ça en Haïti, en fait. Parce que Voilà, c'est vrai que tu réponds. c'est éducation, c'est-à-dire non-killing peace education, c'est dans l'école pour nous faire éducation timonio, enseigner des concepts ça, comme si réveiller dimension non-killing qui ont déjà gagné, qui ont pas tenu compte. Il y a une capacité à déjà, mais il n'y a pas tenu compte de ça. Il n'y a pas conscient de capacité non-meurtre, de capacité non-killing qui est au gain. Donc, objectif, l'enseignement non-killing, non, mais question non-meurtre, et non-violence, et mais peace éducation à la paix, c'est ça là-bas. Il parle édo et conscient de capacité qu'on gagne pour utiliser des moyens. Moyens pacifiques pour adresser conflit, le problème au monde, on pas besoin de faire un complot, à prendre des armes, véola pour tirer, ou empoisonner, ou nous pas besoin de niveau ça. Donc, faut nous commencer à éduquer type groupe monde qui concerne. Mais, bon, le problème, éducation à la paix, ce n'est pas seulement petit monde. Parce que, sérieusement, quand on a parlé de paroles, ça, il n'y a pas de gang à sa patte, mais c'est une gang à cravate. Vraiment Mais la gang à cravate. cravate tout. Nous n'avons pas Gang, besoin de ce niveau c'est sur pas. l'État mal posé. Voilà, c'est pas seulement Timoun, mais pas seulement gang à sa patte qui besoin d'éduquer. Gang qui avec cravate, c'est-à-dire gang qui a un costume, qui chèlbe, qui est en côté, qui a bail l'argent pour faire violence, là, il a besoin d'éduquer tout. Il a besoin d'éduquer. Même si il a un doctorat, il a une maîtrise, il a une licence, il a fait post-doc, il a écrit livre, il a besoin éduquer tout. Puis, éducation qui a besoin, il a besoin de connaître que nous sommes frères haïtiens.
c'est pour nous aimer l'autre. Faut nous enseigner bagaille ça dans l'école. Donc faut nous commencer depuis notre kindergarten pour arriver dans l'université et même arriver pour un professionnel qui est intéressé avec politique yo, pour nous former sur ça. Comprendre? Parce que pour, ou bien nous prendre pouvoir mais peut-être que ça me vient pour gang parler de prendre pouvoir parce que c'est ça les venions une stratégie pour les politiciens, pour les oligarques pour être capable de contrôler le système. À quelle fin? À quelle fin? Donc, il faut qu'il y ait des gens qui font des débats avec eux pour dire, mes amis, imaginez aujourd'hui, vous avez 45 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. Vous ne pouvez vivre toute la vie. L'autre dans l'État, vous avez goûté, et gros âmes, en fait, pour capable prendre pouvoir. Mais l'autre, vous avez pouvoir, vous construisez un gros caille, achetez caille Miami, achetez caille New York, achetez caille Boston, achetez caille Montréal. À quelle fin? Vous pouvez quitter tout. Mais si vous avez construit société, vous êtes plus à l'aise. Parce que l'on a l'Haïti ou bien l'on a l'Haïti, vous pouvez marcher n'importe où. L'on a l'idée de cesser de suspendre pour l'école qui a de B, A, B, L, A, L, A, L, O, L, O. Mais il faut que son école qui a montré nous vivre ensemble. Rien mais une autre. Ancienne culture. T'as pour dernière, madame Pompos, mais parler de ça qui a passé dans ce canal ou en Amérique là. Son bail que nous sommes capables d'enseigner depuis notre petit capture pour nous parler de ce qui a passé, ça a passé sur le canal, le mouvement ça. Et c'est un mouvement, nous n'avons pas parlé de révolution, c'est un moment qui a mené nous dans une révolution. Non, révolution, bon, même terme que tu au Canada pour une révolution tranquille, non, révolution pacifique, non, révolution tranquille. Pour nous arriver dans un vrai Haïti. Bon, révolution, pour nous parler de nous trouver l'autre, bouler bureau, bouler mon. C'est une révolution pacifique. C'est éducation. Et puis, nous sommes capables de faire. Haïti est capable. Donc, oui. Bon paquet de valeurs. Question que pour moi, c'est est-ce que notre démarche liant, l'idée, quel type de l'État n'a pas besoin pour nous faire ça tout? Par contre, ce qu'on peut faire, parce que l'éducation, on a parlé d'éducation, mais c'est pour quelle société? Déjà, leur forme de c'est quel type d'éducation, mais pour quel type de société, en fait? Quelle éducation et pour quel type de citoyen que nous avons formé? Là, je dis à Timonio à l'école. Mais c'est qui éducation que nous avons pour nous suspendre, répéter les barrages, soit qui existaient dans l'autre pays déjà, et puis nous avons ramené en Haïti. Mais c'est former des citoyens, j'en se dis, pour le pays. Donc, nous avons connaissons que notre démarche, il dit quel type de l'État que nous avons besoin pour faire ça. Donc, monsieur fait un livre qui, monsieur fait un travail qui est global, et chaque société qui a adapté là avec culture, système, vous comprenez? Donc, nous même en Haïti, si nous focus sur Haïti, nous avons besoin d'une éducation qui tient compte de Haïti, de culture haïtienne et de ça qui a passé là. Quand nous, ce n'est pas genre la français a dit, bah, là, nous même nous pas répéter le genre français a dit, le genre canadien a dit, là, ou nous allons étudier au Canada. Nous sommes obligés d'enseigner le genre canadien a enseigné. Nous allons étudier en France. Nous sommes obligés d'enseigner le genre français a enseigné. Donc, nous avons besoin de faire un livre par nous. Ça va dire que nous pas chita garder par ou à tout. Non, regardez comment vous faites. Vous comprenez? Donc, vous pouvez toujours garder ça l'autre monde fait, mais c'est pour aller plus loin. Donc, nous avons besoin, en fait, et mettre sous pied, nous avons besoin un système éducatif qui prend en compte la culture haïtienne, l'environnement haïtien, hein, qui prend en compte les mœurs haïtiennes, qui prend en compte, vous comprenez, la mentalité haïtienne. Parce que écoutez, en 2006, l'ancienne gouverneure générale du Canada, Madame Michaëlle Jean, il visitait Haïti, il était venu à Jacques Mel, mais on discute vraiment touché. Il dit, aucun autre pays, aucune organisation internationale, aucune organisation non gouvernementale, aucun autre État ne peut, en quelque sorte, faire rien pour Haïti. Si nous autres Haïtiens, nous ne changeons pas notre mentalité. Si nous ne changeons pas notre mentalité, il faut nous changer mentalité. Nous. Parce que pour les gens qui et qui fait dans notre pays, ça regarde pas de quoi ça Haïti. Non, Haïti c'est un grand pays. Haïti, c'est une ancienne grande puissance. Voilà, c'est ça Haïti. Haïti, c'est un grand pays. Et c'est parce qu'ils sont un grand pays qui fait nous contenir à tout. Parce que son pays, c'est 220 complots.
et 220 ans complot, 220 ans raïfé. Est-ce qu'il a pensé de Timoun qui parle servir Canadien, Français, et Américain, et Africain, l'autre monde dans le pays latino, qui type de citoyen a formé? A formé des citoyens pour servir Haïtien. Mais il faut nous capables d'enseigner tout histoire haïtienne, culture haïtienne. Ça va dire que nous allons ouvrir sur le monde. Attention, nous allons ouvrir sur le monde tout en restant haïtien. Dans l'année 60, nous étions première destination touristique. Mais bah, ça a fait un café, parce que ça a confiance en soi. Il faut que nous. Haïtiens sont une nation qui croit dans la tête. Nous sommes orgueillés, nous croyons dans la tête, nous ne sommes pas aimés. Donc ça a fait nos victimes tout. Donc il faut nous continuer à enseigner Timounio, toute bagaille. C'est ça, pour une société haïtienne de non-killing, son éducation, Éducation. son éducation à la paix, voilà, son Éducation. éducation à la paix au non-killing, à la paix ou bien éducation au non-killing, qui prend en compte contexte haïtien, pas contexte américain. Américain vient avec système balle, mais on vient avec système pas. Vous comprenez tout là? Donc son package, son Oui, gros son travail, package. son gros travail. Un gros travail d'éducation. Donc, c'est ça. Et Tikou Jilakay, les aventures de Jésus, ce n'est pas seulement une émission de Bakonin qui est l'objectif principal là, mais quand même, c'est une émission qui a éduqué et société noire, informé, mais informé pour changer, c'est-à-dire transformer et pour arriver justement à une société de paix durable. Nous avons besoin d'arriver dans un moment pour le monde là, pour changer le monde là. Pour nous remettre en question la politique, les relations entre les États, il n'est pas obligé de chiter sous la force. Nous sommes obligés, États-Unis, obligés de gagner des milliers d'armes nucléaires pour attaquer l'autre pays. Tandis que vous connaissez, dans le cadre d'une guerre entre la Russie et les États-Unis, ah, ça a tombé catastrophique. Nous sommes juste à passer Hiroshima, ça passe dans Gaza qui est en 1945. Nous ne sommes pas obligés à construire des armes. Pour nous tuer l'autre, pour nous détruire l'autre. Comment ça nous dit là? Ça qui coûtait des trillions de dollars, nous étions capables de servir pour développer une sorte de solidarité dans le monde entre les pays, par exemple les pays d'Afrique, les pays africains, ils ont la misère. Donc il faut nous mettre l'homme, l'être humain, au centre de toute bagarre, ça. Question gay, si nous regardons toute démarche non-killing, nous voyons que les plus basées sur un processus à long terme. Et si, par exemple, dans Haïti, si nous descendons nos propres Haïti, parce que moi, c'est très pratique, pour nos Haïti, à court terme, en fait, si nous appliquons non-killing, est-ce que non-killing, nous chita sur une démarche, sur une stratégie à long terme, ou du moins à court terme, il y a des bagages que nous sommes capables de faire rapidement dans Haïti pour nous sortir dans sa vie? Ça nous capable fait. Moi, pas quoi que présence d'une force multinationale pour faire nous vivre dans une société de paix durable. Moi, quoi ça. Même quoi que nous besoin de prendre un petit temps, est-ce que c'est marron, soit avec force ou bien pas avec force, parce que même pas que nous allons lever un après-midi là pour nous dire quoi, que gang va camper. Bon, bah, il a fait comme ça parce que c'est une des plus gros dangers que nous avons là. Gang, c'est pas un groupe. Ils sont structurés, mais pas vraiment un grand chef. On peut négocier avec vous dire, ah, bah, on fonce sur le feu, on campe ça là. C'est le feu avec un Structuré, même. sans pas couper parole. Il est structuré, mais j'en dis le dernier temps, sérieux. Nous constatons, en fait, ça qui vient plus fragile pour prendre une décision. Nous constatons que gang n'a pas seulement agi, à un certain moment, on a agi pour les gens qui n'ont pas eu aucun besoin, non. Mais qu'on a, nous constatons tout, gang a agi pour propre tête, pas eu tout. Nous pas seulement agi pour les gens qui n'ont pas eu aucun besoin, non, mais on a agi pour propre tête, pas eu tout. C'est pour m'aller dans le sens où on dit structuré, en fait. Il y a structuré, il y a organisé, mais c'est continuer à faire le travail et sensibilisation à travers les médias, les médias sociaux, les médias traditionnels, jusqu'à présent. Si tu es capable de conscience, si tu es capable. Bon, deuxièmement, si tu as la force pour le moment, parce que en société globale de non-killing, c'est une société, tant que je dis, et pas bien d'âme qui a fait tout pour un accès à l'âme pour tout y est. C'est tout ça. Maintenant, et autant qu'on a dit, nos victimes de
dans société que monsieur croit que faut que des armes qui vendent, faut que des armes qui produisent, en fait, parce qu'Haïti n'a pas fait armes. Et c'est Pour moi, exactement qu'à ça, donc Haïti n'a pas fait Haïti qui armes, fait c'est aux États-Unis, c'est en République dominicaine, les armes, ça a acheté. Maintenant, si non, société globale de non-killing, pas des armes, il va bien accepter d'acheter des armes. Mais comme qu'on y a là tout, nous pas qu'à lever au matin pour dire, nous pas dire, nous pas camper, nous pas suspendre tout, nous pas suspendre question meurtre, question kidnapping. Maintenant, si monsieur, bah, non, t'y souffre, nous revenons dans une dynamique de désarmement, eh bien, il choisit entre déposer des armes et puis nous développer une sorte de programme de réinsertion, si vous voulez, sociale pour eux, pour intégrer eux dans la société. Donc, c'est capable une possibilité. Mais il faut que le travail d'éducation les continue. Donc, il faut que autorité autour, je prends question ça en main. Parce que son bataille est pas pour demain, mais son bataille est cap C'est contre. exactement ça, c'est ça pour comprendre. C'est une bataille qui n'est pas aujourd'hui ni demain, mais parce que, Non. plein de parler de désarmement, nous songeons que si mes membres ont fait un défaut, Préval, début sous-président Préval, tu es venu ensemble avec lui, désarmement, réinsertion, bah, songez si exactement sous Préval, même songez, depuis sous Préval, tu as une question de désarmement, réinsertion, etc., qui n'est pas bail, mais tu es capable de dire qu'il n'est pas bail résultat. Exactement. C'est puis aggravé, bon, là, en 2020, 2021, 2022, 2024, bah, situation est plus aggravée. Donc, moi, je pense que faut que. En résumé, 1, Faut 2, que. 3, 4. Qui sont Yeah. pensés ou même qui t'a pour fait? En résumé, 1, 2, 3, 4. Pour nous, clair pour Mais nous, t'as ça qui pour fait, c'est, premièrement, faut que nous arrivions. Faut acter autant d'intellectuels, ou bien chercheurs. Parce que, il y a des professeurs Michel Soukap qui a annoncé ça longtemps. Ça, on a vécu là. Nous attendons. mais Nous en attendons, Haïti, Michel. on dit que nous n'avons pas quoi dans l'intellectuel. On fait quoi avec Vacabre? Il y a bon, intellectuel là, il y a un petit genre compliqué pour nous utiliser. Nous allons utiliser le concept, mal utiliser intellectuel là, c'est que Parce que c'est il très parle du mal même vu un bagage pour tout le peu. monde. Donc, il y a un monde qui dit tout le monde intellectuel, il y a un monde qui dit tout le monde pas intellectuel, qui est catégorisé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ça là qu'on y a là, mais m'a fait une émission pour nous sensibiliser la population dans notre façon, ou pour nous éduquer sur les populations. Donc, c'est ça. Ça que vous avez fait, c'est sensibilisation. Pour continuer, faites une campagne de sensibilisation. Dans l'école, parce que même si vous avez une présence en force multinationale, qui a venu aider au combat de gang, mais nous-mêmes, quand on travaille ici, nous pas fait. Et comme si nous lavions, mais nous nous suivions la terre. Donc, il faut que le travail d'éducation civique, d'éducation à la paix, les fêtes en dedans. Gimoun qui t'a capable même dit, est-ce que force internationale yo jamais rivé de nous combattre gang yo, pour qui ça yo pas investi dans la police plutôt qui gagne Non, contre la force police? internationale, il n'a jamais été de déboucher sous développement durable. Non. Non, il dit ça dans la tête. Force internationale, là, les gars doivent venir de bon petit coup de main. Il y a un bon petit coup de main. Mais Mais nous-mêmes, faut qu'on cherche un petit coup de main là-bas. Mais est-ce qu'on pense que nous avons besoin de ces coups de main là, ou du moins ce n'est pas besoin, que nous sommes capables d'investir, la police est capable, est-ce qu'on pense la que nous police est avons besoin? capable. La police est capable. Oui, moi-même, je pense que la police est capable. Mal de bruit, ça, parce que. Et. Moi, quand on est policier, nous gagnons encore une fois. Même moi, je pense que, à plusieurs reprises, nous demandons Canada acheter des armes, pas des armes, et machines blindées, il fait de la toile avec nous. L'armée est capable de tout, mais les États-Unis ont des problèmes pour ça. Vous comprenez? Et son pays prend un complot. Vous prenez un complot, je ne suis pas capable de faire ça. Pour moi, tu as un chef d'État, un premier ministre, pays, il y a insécurité dans le pays. Moun ap mouri nan peyim. Ti moun ap mouri nan peyim. Fom ap mouri nan peyim. Gason ap mouri nan peyim. Moun pa ka foksyone nan peyim. E pi m vle fe peyi a mache, pi moun ap di non. Non, non, sa va pa fèt. Donk nou gen de dirijan, rist avek, eskuse ekspresyon, de dirijan
qui manque de caractère, qui n'a pas de caractère. Et ça que fait nous là. Vous comprenez? Mais là, nous parlons d'éducation à la des vie de hommes, base. C'est des hommes et des femmes qui attendaient seulement l'ambassade américaine. C'est seul. Il n'y a pas de crainte pour le peuple là. Il y a une crainte seulement pour l'ambassade américaine. Avec Canada, au pays côtoyen. Il y a une crainte seulement pour le pays israélien, pour grande puissance. C'est des sous-hommes qui dirigent nous. Il y a une crainte seulement pour le pays israélien. Donc, nous avons besoin des hommes et des femmes qui prennent tête pays, qui ont un caractère, qui sont capables de faire pays à orientation. En parlant de l'autre l'État, ou l'autre éducation pour Timounio depuis à la base, sur l'éducation à la paix, hein? Est-ce qu'on peut penser que nous avons besoin de l'autre bourgeoisie, de l'autre secteur privé? À tous les niveaux, son système. Le système n'est pas un élément. C'est tout élément. Et tout élément, au moins. Et tout élément, au parce que ça n'a vivre là, je veux dire, c'est le résultat de la violence structurelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas conseillé des problèmes, nous n'avons pas jamais adressé. Là, nous avons fait corruption, nous avons volé l'État, nous avons fait bourgeoisie à avantage, depuis qu'on a fait pour bon, ou même qu'on a fait masla, depuis qu'on a fait pour bon, petit, tout cas, voyager, étudier n'importe l'autre côté, ou acheter quand même à mon fini. Non, c'est exactement là que nous avons maintenant vers l'inégalité. C'est à péter. Maintenant, il faut que nous coudons. Il faut que nous résoudre le problème. Là. Mais c'est nous qui avons fait le problème haïtien, solution haïtienne. Par exemple, nous devons faire pour nous. Le Canada n'a pas fait. Le Canada n'a pas fait. Il n'a pas fait. Les États-Unis n'ont pas fait. Il n'a pas fait. La République dominicaine n'a pas fait. Il n'a pas fait. Aucun autre pays n'a pas fait pour nous. C'est nous pour construire la caille. Et nous pour faire la gagne. L'homme de nous, haïtien qui est Haïti, haïtien qui est dans la diaspora. Et encore une fois, Jésus, exemple canal là. Même si on a plus de moi vivre dans toute existence, ça va passer sur canal là. L'homme a une armée qui est une force armée qui est armée jusqu'aux dents avec des armes, fan foi, des chars de guerre. Et puis nous campons, nous disons oui, nous avons fait canal là. Bon, bah, petit, son bah, qui très symbolique. Nous campons face aux armées, puis le monde a observé ce qui a passé. Et Canal, ça, États-Unis pas qu'à bloquer, la France pas qu'à bloquer, Canada pas qu'à bloquer, tout pays de la terre de la République dominicaine pas qu'à bloquer. Donc, ça a montré que nous sommes capables. Nous sommes capables. Canal a prouvé une fois. Nous sommes capables. Pas 1804 seulement, nous prouvons une fois que nous sommes capables. Et le peuple haïtien, son peuple qui est rebelle. Et c'est ça, synonyme haïtien. Souvent, il y a ça, qui synonyme haïtien, rebelle. Nous sommes peuple qui est rebelle. Nous avons un défi. Maintenant, nous avons besoin de mettre tête nous ensemble. OK? Pour nous faire payer ça. Bon, parce que nous allons finir l'émission. La diaspora, y compris. Si vous avez un conseil ou bien pas connaître ou bagage que vous êtes capable de dire en lien avec non-killing en Haïti, c'est qui ça le tapier? Bon, c'est un concept. Moi, je vais étudier le concept dans le contexte haïtien, surtout, mais nous allons garder dans comment le pays, c'est l'éducation au non-killing. Faites-moi nous connaître ça et en termes de capacité de non-killing qui est au gain la caillou, capacité de paix qui est au gain la caillou, bon, en termes de là, puis au construit pays ça. Vous comprenez? Et au parfait meurtrier, ou apprendre pour venir meurtrier, ou apprendre pour venir violent, ou apprendre pour venir ça. Donc, nous avons besoin d'éduquer nous depuis la base, puis au remet pays ya. Depuis la base, puis au remet Haïti. Depuis la base, puis au fier de Haïti. Donc, il faut nous capables de réfléchir. Sous qui stratégie n'a employé pour nous faire barrer ça fait, pour nous capables de arriver, faire chaque petit haïtien conscient de capacité, de l'amour, vous comprenez ça, qui l'a caillou pour Haïti. Vous comprenez? Faire manifester, pas qu'on est l'amour, faire manifester l'amour ça. Pas jeter fatra dans la rue, tout ça, son aspect, tout ça fait du non-killing. Gérer question environnement, tout ça fait question non-killing. Et des voisins, tout ça fait. Ça, c'est son pays qui construit sous la solidarité. C'est ça qui a fait nous arriver. Mais, Haïti a tellement de capacité pour nous foncer des bagailles. Et nous, nous comptons ça tout. Et ça fait, nous barons en haut, nous barons en bas, nous barons sous côté, nous barons à gauche, nous barons à droite. Nous pas bon passé. Mais nous-mêmes, nous toujours, nous avons un petit groupe de mecs qui est entré en bas.
entrer en bas ennemi Haïti yo pour faire Haïti mal. Vous comprenez? Pour faire Haïti mal. Toujours nos petits groupes qui font ça. Donc, faut que nous arrivions à un niveau pour nous conscients de ça. Pour nous conscients de ça. Et c'est l'éducation, une révolution éducative. OK? Nous ne devons pas trahir le pays. Le pays est pour nous lier. Nous sommes le premier peuple noir sur la terre. Premier peuple noir sur la terre. Le monde entier comme ça. Nous sommes le premier peuple noir sur la terre. Moi-même, je suis là, mon côté, je suis fier de tête. Malgré tout le genre Haïti là. Malgré que nous sommes pauvres, nous sommes ici, nous sommes là. Même fier de tête. Les blancs, les blancs, qui ont parlé avec moi, ils disent, oh, Haïti pays pauvre. Ils disent, oui, mais nous sommes le premier peuple noir sur la terre qui est indépendant. Soit Haïti qui fait Chicago. C'est nous fait. Et c'est votre nom de fait Israël, État. Vous comprenez ça, Abdoula? C'est nous-mêmes qui baillons Venezuela, qui baillons technique pour prendre l'indépendance. C'est nous qui aidons Colombie. C'est nous-mêmes qui aidons Grèce. Vous comprenez? C'est un cyclone, c'est nous-mêmes. Cuba, et nous baillons manger pendant plusieurs mois. Haïti, yeah, Haïti. Haïti, c'est une grande puissance. Nous prenons l'indépendance, nous, en 1804, des salines de fer, de nous quoi raconter sur la terre, de vous passer tout libre, entre Haïti. Ou tout haïtien. Voilà. Merci avec tout le monde qui t'a participé, je dis, hein, qui t'a pris plaisir de garder la rubrique un petit coup de la raille. Avec nous, c'était Dr. Roland Joseph qui t'a expliqué nous qui Jean nous capable, qui ça qui concept nous qui l'ignan et qui est-ce qui t'est venu ensemble avec lui et qui Jean nous t'est capable d'appliquer concept ça en Haïti pour t'arriver à jouer un changement par rapport avec crise. Que n'a fait face journée jeudi en limiter un peu l'accent sur éducation à la paix et c'est tout un package éducation à la paix c'est pas seulement l'école mais nous capable éduquer ti moun pour remet poche yo pour pas jeter fatra environnement etc. Donc bon rendez-vous merci parce que tu es présent dans l'émission et commenter pas oublier commenter partager et nous bon rendez-vous samedi prochain pour une autre émission les aventures de Jésus. Au revoir.